Salut la compagnie, salut les geeks, salut les gamers, c'est moi Petit Poussé. Alors aujourd'hui on va partir sur notre dernière et ultime finale de la série sur les Austro-Hongrois. Bon comme c'est un final, faut que ça se termine en apothéose. Alors ça va être une partie bien bourrine et croyez-moi ça va envoyer du steak. Bon alors on n'est pas là pour causer chiffon et on va passer à ma compo d'armée. Alors sur mon flanc gauche, j'ai 4 régiments de Grenzer embusqués. Au milieu de mon dispositif, 2 régiments de mes indispensables Jäger de Windbush 2. Serré de très près par un autre régiment de Grenzer. Alors mon corps principal, lui, est constitué de 4 batteries de canons à cheval de 6 livres, de son escorte, donc en l'occurrence 2 régiments de garde, 1 régiment de grenadiers. En cavalerie, je dispose derrière mes canons de 2 régiments de Uhlan et de mon général, accompagné de ses gardes du corps. Et enfin, dissimulé dans le bois, en retrait de mes 4 régiments de Grenzer en embuscade, j'ai mes 2 régiments de hussards hongrois, donc qui sont invisibles hein, à l'œil nu de mon adversaire et qui sont là en support de mes 4 régiments de Grenzer. Alors mon adversaire, lui, est parti sur une armée complètement différente de la mienne. Alors là, nous voyons un régiment de dragons accompagné par un régiment de hussards hongrois. Mon adversaire a aussi massivement investi dans l'infanterie mini austro-hongroise, puisqu'on a 5 régiments. Alors celle-ci compte 150 personnels au lieu des 120 habituels, mais son moral est beaucoup plus faible. À l'extrémité de son flanc droit, on retrouve le même dispositif que sur le flanc gauche, en l'occurrence un régiment de dragons et un régiment de hussards. Et enfin, dissimulé dans les bois, nous avons son général avec ses gardes du corps. Mais je me doute qu'il doit y avoir beaucoup d'infanterie légère, probablement 6 à 7 régiments, donc peut-être des Grenzers ou alors des Jägers, vu que lui non plus n'a pas de fusilier, et peut-être même des Jägers de Windbush 2. Hein. On va voir s'il les micro-gère aussi bien que moi, ce sera la surprise. Donc la game commence. Alors d'entrée, je vais aller exploiter la magnifique petite colline qui se trouve sur mon flanc droit et qui fait face à toute l'armée autrichienne. Donc je déploie ma cavalerie aussi dans la foulée pour protéger mes canons. Et voyant que mon adversaire n'a pas de canon, bah je me dis que je vais le forcer à attaquer, hein. J'ai 4 batteries, je vais lui faire mal et je veux qu'il vienne à moi. Alors mon adversaire va immédiatement redéployer son armée face à mes canons et va se préparer à monter la colline à l'assaut de mes pièces. Et voyez par vous-même la vue magnifique que mes artilleurs ont sur l'armée autrichienne en contrebas. Donc ça commence bien cette partie, hein. J'ai l'avantage de la hauteur, mon adversaire ne pourra pas répliquer à mes tirs de canon. Et enfin, vu la lenteur de l'infanterie de ligne autrichienne et son faible moral, je pense être en mesure de lui faire de lourdes pertes avant qu'elle arrive au contact de mes canons. Alors là, mon adversaire va faire tirer sa cavalerie à temps, et je vais être en mesure de lâcher une salve de mes 4 batteries sur les malheureux dragons légers hussards hongrois, qui, vous voyez, dès la première salve, ceux-ci rentrent en état de panique. Et vous voyez le nombre de cavaliers qu'il me donne gratuitement, et il semble pas décidé à faire courir ses cavaliers, donc je vais continuer. Et rapidement, mes shrapnels vont être capables encore de faire une multitude de victimes dans les rangs de la cavalerie austro-hongroise. Hein. Regardez, franchement, il me donne sa cavalerie. Hein. S'il en veut pas, moi je la prends. Hein. Pendant que sa cave se met enfin à l'abri, bah, le corps principal de son armée, en l'occurrence les 5 régiments d'infanterie lourde, continue leur progression à l'assaut de la colline. Mais ils avancent tellement lentement que je me fais pas de soucis quant à leur élimination. Surtout qu'il a pas vu sur mon flanc mes 4 régiments de Grenzer qui l'attendent dans l'embuscade. Et il est en train de se jeter dans la gueule du loup. Et le festin promet d'être copieux, croyez-moi. Alors là, je pense que mon adversaire doit être assez confiant, parce qu'il voit aucune de mes unités, donc il voit pas mes 4 Grenzer, il voit ni mes 2 Jäger ni mes 2 qui lui font face. Et mes canons ont toujours pas commencé à tirer sur lui, donc il y a une masse considérable de troupes qui arrivent. Voyant mon adversaire aussi près, bah j'ouvre le feu avec mes canons, et voyez à cette distance, en enfilade, les pertes, mais terribles, dans les rangs de l'infanterie austro-hongroise. Continuant son mouvement, le régiment d'infanterie le plus à droite de son dispositif se retrouve à portée de mes Grenzer, qui rapidement bah, vont lâcher un véritable raz-de-marée de plomb sur la malheureuse unité de ligne austro-hongroise, qui rapidement va partir en panique, vu la quantité de feu qu'elle suit. Alors dans le bosquet en face de mes canons, mon adversaire révèle 2 unités de Jäger de Windbush 2, qui subissent déjà de lourdes pertes, et 2 régiments de Jäger. Il va souvent essayer de rusher mes canons. Voyant le carnage de son infanterie de ligne, il décide de replier celle-ci, sauf un malheureux régiment laissé face aux 4 régiments de Grenzer, et qui va subir la colère de ceux-ci de plein fouet. Les lignards parviennent à lâcher une unique salve, et aussitôt vous voyez le nombre de corps qui vont tomber face à la puissance de feu de mes Grenzer et de mes Jäger de Windbush 2. C'est juste mais hallucinant, et immédiatement l'unité va se débander et quitter le champ de bataille, non sans avoir laissé probablement une cinquantaine d'hommes sur le terrain. Et après avoir subi une multitude de salves de mes canons à cheval, le régiment de Jäger de Windbush 2 de mon adversaire fuit le champ de bataille sans avoir tiré un seul coup de feu. Mon adversaire va alors tenter une ultime charge avec ses 3 régiments restants d'infanterie de ligne, face à mes 3 régiments de Grenzer. C'est du suicide, mais bon, c'est toujours marrant à regarder quand on est du bon côté de la terre. Quelques secondes de feu seulement des 3 régiments seront à mettre en déroute le premier régiment se présenter face à mes Grenzer. Et vous voyez par vous-même le véritable entonnoir dans lequel se jette mon adversaire. Et là, je vois les 2 derniers régiments qui
monte à l'assaut probablement pour tenter l'attaque au corps à corps, mais les lignards austro-hongrois, c'est pas les gardes suisses français, et vous voyez, ceux-ci vont rapidement partir en panique sous une tornade de feu. Alors, tenu à l'écart depuis ses premières pertes, mon adversaire va décider d'engager sa cavalerie pour tenter de déloger mes Grenzer et mes Jäger de Wienbüchse. À ce moment-là, je sors mes deux régiments de hussards hongrois qui étaient embusqués, et je vais monter à l'assaut de la cavalerie ennemie qui se rapproche, tandis que je replie mes Grenzer sur le haut de la colline. Bon, alors je suis clairement en infériorité numérique, hein. Néanmoins, j'ai mes Jägers Wienbüchse qui continuent de lâcher un feu dévastateur sur les adversaires, ainsi que mes canons. Là, vous voyez, un régiment de hussards hongrois qui s'est accroché par mes Jägers Wienbüchse et le carnage qui s'opère. Ça se passe vos commentaires, hein. C'est juste une énorme boucherie, hein. C'est rare que je fasse ça, hein. D'habitude, j'ai plus d'opposition. Et là, mon adversaire a vraiment fait exactement ce que je voulais qu'il fasse. Donc là, mes deux régiments de hussards hongrois ont la vie dure, hein, surtout que deux régiments de Grenzer et un régiment de Jäger sont en train de se redéployer face à eux. Et ouvrent le feu à bout portant sur mes cavaliers. De même qu'un tir en enfilade venu de ces deux régiments de Jäger. Donc je les retire aussitôt, conscient que ça sert à rien de les sacrifier bêtement, surtout que mes Grenzer sont redéployés sur le flanc de la colline. Entre temps, mes deux régiments de Uhlan chargent avec force le régiment restant de Jäger Wienbüchse et deux régiments de Jäger qui aussitôt se débandent sous la violence de la charge austro-hongroise. Et voyez le parterre de cadavres qui jonche le sol, cavaliers et hommes compris. Mais ça va pas l'air de gêner mon adversaire qui va lancer un ultime assaut sur ma position avec deux régiments de Grenzer et trois régiments de Jäger. Mais ceux-ci ne font pas le poids face à ma cavalerie et j'ordonne une charge massive avec ce qui me reste d'un régiment de hussards hongrois. Et le choc va être terrible avec les Jäger qui n'ont aucune baïonnette pour se protéger. Et vous voyez le nombre de cadavres aussitôt qui jonchent le sol. Mon adversaire retire immédiatement le régiment du flanc droit et tente de venir allumer à bout portant ce qui reste de mes hussards. Et aussitôt mes hussards partent en panique. Pour venir soutenir mes derniers hussards, j'engage mes deux derniers régiments de Uhlan sur le flanc de mon adversaire afin de le prendre en tenaille. Alors qu'il subit en même temps le flou de mes Grenzer. Et là, le malheureux a aucune chance, hein. Vous voyez tous ces régiments qui un par un sont dans la panique. Et après quelques secondes de combat, ce qui reste des fantassins de mon adversaire fuit sous les coups de mes cavaliers et de mon infanterie. Et là, conscient de la défaite qui est proche, le général ennemi va tenter une charge, mais alors qu'il n'a même pas subi de perte, il va partir en panique, lâchement, devant la vue du carnage qui vient de s'opérer sous ses yeux impuissants. Et voilà l'écran final qui apparaît. Donc parfois, c'est très rare, vous allez avoir une bataille où tout va se passer exactement comme prévu. Ça arrive quasiment jamais, mais là vous en avez une. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque j'ai perdu 254 hommes et 8100. Alors ma série sur l'Autriche-Hongrie se termine. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aussi appris comment utiliser les Austro-Hongrois. Et mon prochain challenge sera rien d'autre que la Confédération Marat. Donc ça promet des sacrées batailles, épiques, bien bourrins. Et ça va être dur. Ça va être très très dur, mais on va bien se marrer. Ah ciao ciao, c'était Petit Poussé. Au plaisir de vous voir sur une prochaine bataille. Salut salut.